Il y a des chansons qui font un grand succès, c'est parce que la musique en est très populaire. Quand il me prend dans ses bras, quelque chose dans ce genre-là. Oui, voilà, c'est pas mal ça. Il y a des chansons qui font un grand succès, c'est parce que les paroles ne sont pas ordinaires. Et sa gueule, sa madame. Tiens, j'ai entendu ça quelque part. Il y a des chansons qui font un grand succès, c'est parce que l'interprète est extraordinaire. C'est presque toujours ça. Mais la mienne n'a pas tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour qu'elle soit jolie, ma chanson, il faut avant tout être deux. Il y a bien sûr un garçon et une fille pour le rendre heureux. Si vous me prêtiez votre voix pour chanter avec moi cette chanson d'amour, mais elle n'a rien d'original, c'est tout à fait normal qu'elle rime avec toujours. Je regrette pour la chanson, mais il y manque un je ne sais quoi. Et vous pourrez dire au garçon que cette chanson n'est pas pour moi. Je vois bien ce qu'il vous faut, un port et un matelot, des bagarres dans un bar, rien que des trucs sinistres. Un pauvre type que l'on pend, des gens qui parlent haut, un monsieur distingué, un accordéoniste. J'ai même entendu dire, c'est par trop fantaisiste, que vous chantiez un clown. Eh bien, bravo pour le clown. Non, non, mais dites donc, vous m'engueulez. Oh, excusez-moi, je me suis laissé un petit peu emporter. Alors, à votre avis, cette chanson serait pour moi? Mais oui. Eh bien, écoutez, rechantez-la moi. Pour qu'elle soit jolie, ma chanson, il faut avant tout être deux. Il y a bien sûr un garçon et une fille pour le rendre heureux. C'est ça, prêtez-moi votre voix pour chanter avec moi cette chanson d'amour. Mais elle n'a rien d'original, tout compte fait c'est pas mal qu'elle rime avec toujours. Quelle est donc jolie ma chanson, car je la chante malgré moi. Et vous pourrez dire au garçon que